chanter l'espoir, car mon cœur de pauvre allait, allait, go down. Louis Armstrong était donc présent à la salle Raphaël Hardy de Mousillon pour entendre l'hommage que lui fit l'orchestre West and Blue. Un grand moment de jazz classique pour évoquer la vie du grand trompettiste. Avec en prime la voix de la chanteuse Valérie, interprétant ici un standard du maître qu'a traduit par parenthèse Claude Nougaro. De spectacle devant un nombreux public qui a retrouvé, ou parfois découvert, cette musique décalée qu'est le jazz. Et notre Armstrong rempile contrat sur contrat et commence à gagner beaucoup d'argent. C'est oublié les malheurs de la Nouvelle-Orléans, c'est oublié la maison de redressement, et il oublie même de taper fort dans la marijuana et dans le scotch. Donc ça va un peu mieux, et notre ami Armstrong commence tout simplement à voir la vie en rose. Être connu non seulement aux États-Unis d'Amérique, mais un peu partout dans le monde. Et il entame une grande tournée en Europe. C'est d'ailleurs à cette occasion qu'il va rencontrer en France des acteurs comme Yves Montand, Simone Signoret, ou même Joséphine Baker, qui vient de nous quitter, là, mais qu'on va revoir tout à l'heure. Hein, voilà. Et puis, beaucoup de tournées. Là encore, il travaille beaucoup, il s'épuise, il a quelques soucis de santé, du côté des poumons, mais il surmonte tout ça avec son talent et avec sa grande vivacité. Je vous propose d'écouter maintenant un grand succès aussi d'Armstrong, ça s'appelle Summertime, avec de nouveau Valérie. Thank you.
cinq musiciens et un conteur qui se sont regroupés pour partager avec le public le talent du phénomène Louis Armstrong et au saxo soprano, le mousillonnais amateur de jazz André Couillot. 2h30 d'un monde merveilleux. Il continue ses voyages épuisants, ses 300 jours de concerts par an entre l'Europe, entre l'Amérique et puis d'autres pays encore. Et les poumons commencent à ne plus donner tout à fait leur maximum. Le cœur a des battements inintéressants et même inquiétants. Et parce que tout a eu fin. Je te regarde parce que pour faire attention. Non mais c'est voilà. Et notre ami Louis Armstrong, épuisé à force d'avoir flirté aussi un peu trop avec la marijuana, va s'éteindre dans les années 70, à l'âge de 71 ans. Je vous rappelle qu'il est né en 1900.